Bonsoir et bienvenue sur, comme d'habitude, Dimi, en compagnie de Narfang, Alfonso et moi-même, The Soldier, pour faire la mission Passage de frontières, un contrat de lock. Maintenant, on va essayer de pas la rater. En furtif, mort subite, patte de bain. Ouais, voilà, tout ça. Mais ça, c'est la base, c'est le B.A.B.A., tu vois. C'est le B.A.B.A., c'est clair. Y a personne. Premier essai, hein, si on précise. Hein. Ouais, premier essai, bien sûr. First try. Y'a un gars dans l'escalier, y'a un gars dans l'escalier. Non, c'est... Non. Je vois pas de mec dans l'escalier. T'es en train de le wallbang, là? Y'a plus de caméra. Alors... Lucam, t'es sûr? Ouais. Ouais, cette fois, je suis sûr. C'est Knarpan qui l'a fait, je suis sûr. Il est sûr que ça a été bien fait. Oh, le flic. J'ai les clés. J'ai les clés, Knarfan. On y va? Histoire qu'on recommence pas la mission comme ça l'air. Il reste le billard à faire ou pas? Ouais. Vas-y, ouvre. 3, 2, 1, go! Y'a pas de C4, c'est ça? Mais je sais pas moi. Beckett, guarded the door again et has reset the system factory again setting. Ok, c'est 0000. Non, pas forcément, le code change. Ok, je vais aller voir. Et si jamais c'est 0000000? Non, je vais pas. Ah non, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, tu fais la prochaine annonce? Oh merde. Non, c'est faux. Oh, c'est un civil. C'est un civil. J'allais poser cette scène. Et... Alors, poser un CME, mais j'ai les ECM de poche et je peux les utiliser relativement facilement. Ouais, non, mais je veux dire, genre, t'étais occupé à le faire. Ça fait un délai de 6 secondes. Looks like there might be an underground vault somewhere. Par contre, je t'encourage franchement à faire un build avec la pioche à liqueur. C'est un truc nickel, ça. Retirer la bâche? Pourquoi on retire la bâche? Pour chercher la porte? Ouais. Bah du coup ça doit être comme tout à l'heure, ouais. The tunnel entrance should be outside somewhere. Nicely done, friends. That's what we're looking. Je vais pas faire le code parce que si je le rate, c'est pas mal. Ouh, ça va pas chez toi. Hein. Non, j'ai plus rien faire. Ça, il suffit qu'il y ait un petit coup de lag, là, ça roll back. C'est ma faute. Vous nettoyez les mecs du billard ou je les nettoie? Je crois qu'on l'a pas fait. Bah, allez, ah bah même eux ils ont pas été nettoyés. Allez, c'est la guerre, c'est ça. 1, 2, 3, go. Non, encore. Normalement t'attends que j'arrive et que je fasse ça comme un pro. J'ai failli me faire spotter. Pas le civil. Non, pas le civil. On n'a pas eu le civil. Sachez. Soyez témoin. C'est quoi, c'est le code reset? Ouais. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4. Du coup, pour les gens qui regardent, hein, je vais quand même montrer les autres possibilités qu'on a eues nous jusqu'ici. On sait pas s'il y en a d'autres. On peut vous demander la date de création, la fin de dead. Donc là, c'est en 2009. La date peut changer. Hein. On a vu 2008 aussi. Ouais. Il y a évidemment. Merci. Il y a, si on vous parle des cheaters, c'est ici, c'est les toilettes. Pareil, le code change. Tout change de toute façon. Sinon, on peut parler de l'incarcération de Joey. Et généralement, l'incarcération de Joey, c'est sur une de ces tables. Donc, que je vais vous montrer. Voilà. Là, c'est toujours celle-là par contre. Et donc, c'est le petit chiffre qui est en bas, 2017. Non, c'est pas toujours là. Des fois, c'est quand la salle des cams est là, c'est de l'autre côté. Ouais, ah, vous savez, je l'ai vu, je crois, une fois ici. Si je dis pas de bêtises, elle était là. Ouais, ok. J'ai vu un autre endroit? You got to get into that tunnel, friends. Je crois. Ah, là où on a des fois le porte-clés, peut-être? Non? Oui, c'est dans la petite salle où je me mets avant de monter l'esca et de. Et ouais, tuer le mec des cams. Eh bien, normalement, c'est tout bon pour moi, messieurs. Mais bon, on arrive. Monsieur Antonin a pris tous les colis de la carte, évidemment. Bravo, Antonin. Non, j'ai pas trouvé un seul. Faut dire, t'en as pas cherché un seul. Aussi. Mais faut pas le dire, ça.
Alors. Qu'est-ce qui. En fait, qu'est-ce que vous appelez le spot correct? En fait, t'as trois spots possibles. Si, ok. Là où je suis, là, la valise de sac, là, tu du sac. Soit tu. Donc, t'arrives de là où on est. Soit tu peux arriver de l'autre bout là-bas, là où mon laser se pointe. Ouais. Dans tous les cas, c'est des deux spots corrects parce que t'es à côté du gros dépôt où il y a l'avion. Des dépôts, ok. Et t'as l'autre dépôt là qui est tout là-bas, là où il y a Alphonse. Et le spot dégueulasse, c'est de l'autre côté là, tu vois. Tu vois là, il y a une cour. Entre les deux entrepôts. Ah, voilà, c'est ça. Et là, c'est dégueu. Mais le gars qui est dans l'entrepôt là, c'est. Je me fais spotter, je me fais spot. Mais tu l'as posé dans ces mêmes poches là? C'est un truc que tu actives en fait ce soir. Wow. C'est la partie du caméra. C'est la chanson, je vous pique une boucle. Vous êtes baisé. Allez, on va mettre de la perceuse. Alors personne ne met d'autre de la perceuse que moi, comme ça évite que vous mettiez vos cartes. Cartes qu'il faut impérativement que vous gardiez. Ok, et Alfonso là, on fait quoi là? Bah, moi j'essaie de vous faire griller quoi. Ok. Là, je suppose que je suis censé suivre, non? Passe au large. Alors, Inger fait tout le tour du tunnel. Tu passes derrière la pelleteuse et c'est mieux. C'est bon. Si avec ta discrétion de poisson mort depuis 3 jours. C'est bon, t'en as il à la rift. Okay. Et dans le douche, je repète une boucle. Alors, t'as une salle des cams qui peut être derrière, en dessous de moi. Ouais. Ou plus dans le coin là-bas à l'étage. Ok. Petite musique tranquille, hein. Ah, la musique, on dirait. J'ai l'impression d'être dans les Sims. Quoi. Et du coup, là, on fait quoi? Et bah là, je vais aller voir monsieur des caméras. Parce que tu sais où elle est maintenant. Bah ouais. Enfin, okay, donc moi je reste en haut. Hein. Je vais aller la chercher. Attends, je peux peut-être me mettre. Je peux peut-être réussir à spot des gens en me mettant là, à l'arrêt. One bag. Non. Du coup, il y a que les gardes avec des. Gilet pare-balles qui ont des pagers. Ouais. Ouais. Y'a que qui sont pagistes. J'ai une gros barre pour toi, Knarkang. C'est pour moi. Ouais, bah non, c'est pour. Oui, c'est pour Antonin. C'est pas pour moi. Est-ce que tu peux me spot les gardes sur le chemin de ronde? Le chemin de ronde, partir des petites fenêtres. Hein. Bah là où on regarde. Là y'en a un, c'est un sans gilet pare-balles lui. Et en haut. En haut, j'en vois pas. Parfait. Il est en bas l'autre. Hein. Ah, il y en a un là, qui arrive, il arrive, sur le chemin de rond. Ça marche. Ouais, il a un gilet par balle celui-là. T'as visé ton hangar? Oui, bien sûr. Il y a un autre garde en bas. Gilet par balle aussi. Stay back, guard. Il y a trois gars. I wonder who has the resources to back the dentist in all this. Si tu savais. The top of the food chain? Was there more to this guy? Et tout le monde est spot dans la salle en bas ou pas? Guard. Hey, guard. Bah ça paraît bizarre. Hein. T'as deux asmates. Guard. Ouais, il y a deux asmates. Je vois qu'un gars qui regarde les coffres. Careful. Il y a deux gardes en haut sur le chemin de ronde, il y en a un derrière le mur, il y a une caméra au-dessus. God, watch out. Bah lui, voilà. Il va à travers les murs, c'est intéressant. Bon. Le mec qui voit à travers les murs. God, intéressant. Stay back. God. Camera. God on patrol. Il y a un Mexicain qui est rentré en bas aussi. Stay back. God. Ranger ça proprement. Oh, oh non God. Ce timing de merde. C'est la merde. Putain. Cette espèce de luck. C'est le caméraman que t'as eu?
Non, en fait, il a couru et le garde est sorti derrière la porte en mode. Oh, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Y'a pas de problème. Par contre, je te garantis, toi, tu vas venir ici et tu vas être posé. Tu vas être posé, moi, tu vas plus bouger. Ouais. Pourquoi? Parce que. Tu veux que je prenne les cams après? C'est ça? Pourquoi je peux faire payer en boucle? Parce qu'il se relève en fait. Il y a des moments où il a une. Ouais, c'est ça, en fait, il a une petite frame où son épaule va de gauche à droite. Tu vois pas? Là, on devrait pas me voir en fait. Petit tour des cams. Je comprends pas, on devrait pas me voir. Watch it. Look out, guard. Darfang, c'est pas bon pour toi la 4? Non, pour l'instant. J'ai un garde dans le coin. Il y a un garde en haut aussi. Combien de sacs? Il en reste plus qu'un. Alfonso, sur ta gauche. Ouais, j'ai vu. Bah, merci, il y a un gros truc en rouge à travers. 4, c'est clear. Tu peux y aller. Ok. 4, c'est bon. Ok. On se fait la 5. Fais gaffe, t'as un mexicain sur toi. Ouais, très bien. Guard. Y'a des gardes dans le coin là ou pas? Ouais, y'a un vrai garde qui arrive. Ouais. Il monte. Non, il monte pas, pardon, excuse-moi, c'est juste qu'il a fait un mouvement pour aller devant. J'ai vu Alfonso faire un mip-mip à travers le couloir. Ah, c'est ça, le mexicain il va descendre salle des coffres. Voilà. Ah, descente, la grosse. Bah, du coup, t'aurais dû prendre une carte. Pourquoi? Ah non, mais je vais pas. En fait, ouais, parce que moi, du coup, je suis là-haut et je spot d'en haut. Au moment que vous vouliez que je descende. Bah, pas maintenant. Ouais, je sais ce qu'il y a, celui qui est Michel qui est en bas à droite là. Michel. Tonight. Guard, careful. Là, il arrive. Je vais refaire un tour de cap. Du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille? Là où je suis. Non, fais là où il y a détecter sans jamais me faire détecter, je trouve ça formidable. Je pense pas que t'as le mec. Il a une stress, je veux les liquider, les deux asmates. Sinon, Clarfang, tu t'emmènes Anto au coffre. Et après, il vient relayer au cap. Non, mais attends, là ce qu'on fait. D'abord, je veux liquider les deux asmates. Alors, Knafang, ce qu'on fait, c'est que maintenant, le garde n'est plus là. Quel garde? C'est le moment. Je suis là. Ah, attends, non. Si, il y avait un garde. Le garde, là. J'ai sauté. Ah, mais j'ai sauté du haut. Il arrive sur toi. Non. Le fait qu'il est passé. Ok. Tac, tac. Il y en a un autre qui vient vers moi. Ok. Bon, bah, ça va pas être faisable tout de suite. Il y a trop de mecs en bas pour l'instant. Je me demande si on leur ouvrait les accès, les ferait pas sortir. Ah, pétard. Ah ouais, ça va être chaud de les faire. Pff, ok, pour moi, je suis au calme. Pour moi, ce serait encore pire parce que. Hein? Salut. J'ai paniqué, j'ai fait fuck it, je vais au calme. C'est, pour moi, ça fait. Hein, quoi? C'est téléporté. Anto, viens voir vite fait. Ouais. Alors, quand on te demande d'ouvrir une grille, c'est là. Ouvre la grille 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok. Ok. Mais genre lui, il nous voit pas à travers la fenêtre là. Si. Ah si, 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 il voit. Oula, ouais, il est même plutôt speed. Hein. Watch out, guard. Est-ce que tu veux là, pas tu que vois, j'aille là. Ouvrir le coffre? Un tour de câble, s'il vous plaît. Un tour de câble, s'il vous plaît. Look out, guard. Antonin, prêt à emballer un cadavre? Ouais. En balle. Oh putain. Et en balle. Je l'ai. Ramène-toi ici. En fait, les seuls endroits qui sont sûrs là, c'est les casiers. Et en soi, moi, je jette les cadavres là, juste derrière le comptoir. Ah oui, non, mais ils ont vraiment le truc. Ils ont vraiment repris le truc de l'Election Day. Ah ouais, c'est le dépôt d'Election Day. Hein. Y a pas de... Ils ont changé les couleurs. Ouais, et encore. Comme des casques de chantier. Ouais, ils ont juste rajouté des mecs. Hein, parce que... Il y a une partie de l'entrepôt en moins. Il y a quelques modifs. Du coup, je vais emmener Antonin directement en bas. Ouais, vas-y. Ok. Après, tu me le ramènes.
Après, je le ramène. Il s'appelle Reviens. D'accord. C'est Antonin Reviens. T'es prêt, Antonin? Tu sais courir? Allez. Ok, j'y suis. Une carte. Good thing you found that blueprint. Voilà. That's the vault. Est-ce que tu peux m'ouvrir une porte? Est-ce que tu peux ouvrir une grille? You're going to need two key cards to Antonin, prends la coke. Antonin, prends la coke. Oh, la coke, frère. La coke, là. La frère. Hey. La coque, il est... Vite. Il y a... Vite. Il y a Alfonso qui s'est fait aggro par quelqu'un. Il se démerde. Non, non. C'est plutôt moi qui ai défoncé un garde, ouais. Ah, il va falloir qu'on les nettoie, ces deux Mexicains. Je peux pas les saquer. Je peux pas les saquer, pourtant je sens qu'ils vont finir en sac. Oh, grosse blague, hein. Allez, ça fait vas-y, paye ta tournée de sac mortuaire. Ah, vas-y, prends encore. T'en as pas d'autres? Pas besoin d'autres? Si, j'en ai un. Ok, ok. Attends, attends, fais gaffe, tiens, garde. Tu les deux là. Attends, attends. Guard. Ok. Il a tourné le dos. Oh. Tu prends le premier mexicain, je prends le deuxième. Ok, tu prends celui qui est à droite, je prends celui qui est à gauche. 3, 2, 1, go. 2, 1, go. Oh putain, c'était quoi, c'était du fourrayade? Les armes dans le dedans. Bah, attends, 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 on va les ranger derrière le comptoir avec les autres quand même, on est pas sauvages. Pas sauvages. On les entache tous ensemble. Tous ensemble. Sérieux. Comme ça, ils vont se faire chier à trouver les cadavres, et quand ils vont les trouver, on va faire « Les gars, je suis tombé sur une mine de cadavres !» On raconte que attends, ça. J'en ai 3 vers moi, je te les amène. Du coup, on va reprendre un sac. Ah oui, les sacs de bêtes, hein, les gros. On a toujours pas ouais, pris. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Ouais, ça, 3 millions de dollars le sac. Hein. Franchement, Knarfang, le pire, c'est sur Pyroman. Quand t'arrives au bout de ta dernière garde, il arrive, où on met tous les sacs. Oh, c'est il clair. Fait une attaque cardiaque. Le pauvre. Tout ça en train d'éclater. La vengeance. Bah, tu peux essayer de retrouver. Retourne trouver ouais, Jean-Claude là-haut. Ouais. Et puis. Du coup, moi, c'est quel garde qui est mort? C'est celui qui était à l'étage? Bah, c'est un de ceux qui était. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Mais... Ouais, non, c'est le gars qui est à l'étage. Hein. Vas-y, je suis là, Alphonse. Alors, oh putain, quand même. Je vais m'ouvrir un point de vue supplémentaire. C'est Alphonse qui est là, mais c'est pas trop tôt quand même. Ok, alors dis-moi tout. Un peu plus de visibilité, c'est cool. Ouvre-moi la 5, s'il te plaît. La 5. Et tu pourras ouvrir la 6 juste après. C'est bon. Ouais. 6. La 6, c'est fait. Il faut quoi? Il faut l'argent? Allez hop. Allez, on prend la thune. Jette tout directement dans les vestiaires, je prends. Depuis les vestiaires, TKT, du coup ça part là, personne ne voit rien. Pendant qu'on est rien. Pendant qu'on te demande rien, surtout tu fais un tour des cams. Ouais, je fais les cams. Merde, je vais te bloquer dans mon Kishmi. Ah, ça fait du bien quand il y a des Mexicains au moins pour te surveiller à la sortie de l'école. Tu sens plus serein quand même, tu sens moins qu'on te propose des bonbons et tout chelou quoi. Des bonbons blancs. Un petit peu transparent. Exactement. C'est comme les vieux bonbons dégueulasses avec deux espèces de petites pâtes de merde et un peu comme du sucre à l'intérieur. T'as jamais eu ça? Alors moi je suis un vieux monsieur. Moi j'ai un peu construit le Mistral gagnant. Non, je mec trop vieux quoi. Monster Hold. Tiens, moi en même temps j'avoue les bonbons, j'ai pas connu grand chose. Hein. J'ai connu. À mon époque c'était quoi? C'était l'époque des nanas gélatineux. Les ours et des petits crocodiles. Je crois que c'était un vieux truc. Ah si, et ma génération c'est les. C'est les têtes poulées aussi. Ah bah ça toujours, toujours. Ah mais c'est à mon époque qu'ils sont nés en fait les têtes brûlées. Mais ça en fait ça revient de temps en temps, c'est pas. Je vais ouvrir le coffre. Vas-y. Vas-y. Je reste sur les cams du coup. Ouais reste. Avec Narfang t'as une minute pour venir. Si tu veux avoir l'ouverture. Ouais gros, moi il faut que j'évacue du sac. Tu veux pas que je tue du garde mobile donc du coup celui-là il survivra. Putain. Incroyable que les fédéraux ne savent pas trop. Si, ils le savent très bien, c'est leur camp d'entraînement. Si, ils connaissent, mais ils savent combien. C'est chez eux. Parce que. C'est... En fait, là on est en train de braquer la salle d'épreuve, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça l'histoire, non? Attends, non mais vraie question.
Ouvre-moi la 1, s'il te plaît. La 1 ? Ouais. Hop ! Un Mexicain en moins. La chance que c'était qu'un Mexicain. T'avais de la chance que c'était qu'un Mexicain. Oh, les gars ! T'as intérêt de reprendre des sacs, oui. J'ai trouvé un uniforme. Bah oui, prends. Oh, nice. Prends. Vas-y. J'ouvre la porte 1. Putain, bah heureusement que j'étais pas dans la merde, putain, parce que le temps qu'il ouvre. Tu nous fais un spotage de caméra ? Look out. Vas-y, pardon. C'est juste que Fonfon m'a dit d'ouvrir la 1 et du coup j'étais prêt de l'ordinateur. Que se passe-t-il si j'active la 1 et que personne ne l'ouvre ? Elle se referme, c'est tout. Y'a pas d'alarme, ok. Non, y'a pas d'alarme. Ok. T'as vidé ta cage de fric, je suppose, Fonfon. De là où j'étais. Ouais. N'hésite pas à passer par la salle des trésors, Alphonse. Parce que le coffre est clair. Est-ce que je peux descendre voir comment est rempli le coffre ? Ah, vas-y, tu peux, même s'il va manquer déjà un bout de chupette. Par contre, il va manquer des cams. Ah oui, attends, tu peux pas. Attends, que tu viennes, vas-y. Ah bah si, t'as pas. Tu peux pas. Attends. Tu verras jamais. Ou alors tu seras obligé de voir ça en vidéo, de mettre un pouce bleu, tout ça. Ah non. Chiant, quoi. Ah non, pas un pouce bleu, secours. C'est bon, Alfonso, t'es safe ? Ouais. Mais je m'en fous, moi je suis dans le coffre. Ils peuvent venir me chercher. Ok, ça ressemble à ça. Ils sont pas pêchés non plus. Hein. C'est quoi ça ? Je sais pas, il y a un mec qui m'a vu. Ça, un keuf. Un vrai ? Ouais, un vrai. Je voulais l'ajouter au compte. I didn't call you. Must be some kind of interference on your end. Je vais le ranger avec les autres. Hein. Je fais un transport ou... Ouais. Vas-y. Okay, man. But quit worse, merde, j'ai pris des bottes. En fait, le problème c'est avec Alfonso qui est host, c'est que j'ai été grillé alors qu'il pouvait plus me griller. Ouais, c'était derrière un mur, il peut plus te griller. C'était donc... pareil pour la cam tout à l'heure. Ouais, non mais t'inquiète, c'est compliqué. Oh. Et il me reste combien de pièces ? Problème 2. Ça va, ouais, je prends le casque. Hein. Vous avez encore Antonin à ton poste ? Ouais, moi je vais au cam. Antonin à ton poste. C'est ça. Mais ça fait quoi l'uniforme ? En fait, quand tu en as 4, ça te déverrouille la tenue uniforme des Murky Water. Donc on va te les trouver, tes KT. Oh. On se fait un gros rush CME à la fin. Même tu pas. Tu as fait le tour des cams ? Bah, je peux juste aller. Je fais le tour des cams. Récupérer le fusil. Voilà. Je pense qu'ils vont être dans la cour du. Ouvre-moi la 1. Ok, j'arrive. Attends. Hop, la 1. Non, pas la tout de suite. C'est bon. Par contre, franchement, on a pas grand chose, hein. Attends, je fais un tour des cams. Je pense qu'on va devoir faire de la caisse en bois, les gars. Parce que là. C'est bon. Un argent, une toile. Ok, j'ai un sac d'argent. Effectivement. Tiens, tu m'ouvrirais pas la 3 ? Vas-y, j'y arrive. Et Yaf, t'as un garde que tu as fourni. La 3. La 3 est ouverte. Ok, c'est fait. Vas-y, la 2 pendant que tu y es. Ah, attends, deux secondes, je refais un tour de caméra, j'arrive. Vas-y. La 2. Hop, 2 ouverte. Parfait. La 2, y'a rien. C'est juste kiff. Je suis en train de casser ma souris, les gars. Ah bah tiens, j'ai un uniforme. Deux. Oh, mais la musique est tellement zen, quoi. Tu sais, on dirait qu'on a un petit café tranquille. Hein. Bon bah, toi, t'as plus qu'à faire les cams. Hein. Vas-y. C'est quoi le sac de fric qui se balade à l'étage, là ? C'est toi le sac de fric ? Ah non, c'est des sacs de garde. Ah ouais, mais ça, ils sont pas rangés dans le bureau, du coup, je suis perturbé. Hein. Écoute, franchement, cette planque là elle est bien. Hein. Oh, mec, mon bureau quoi. S'il te plaît, quoi, mon bureau quoi. Le mec, demain il va venir travailler, il va faire. Pardon. Roger, ça sentait un peu fort en fait. Roger, ça va, tu dors ? Quelle idée de dormir dans un sac aussi. Les gars ? Les gars, il y a au milieu de la cour, je sais pas où c'est, mais il y a deux palettes d'armes posées. Oui, je sais. Et un sac Murky Water. Ouais, je sais. Ok.
Oh, je sais. On évacue déjà tout ce qu'on a là-dedans. Parce qu'après, l'extérieur, à la limite, c'est presque facile, si tu veux. Tu cours, tu tues tout le monde, et puis... Non, même pas. T'attends que ça retint un peu, là, les gardes qui ont des beepers. Et puis, en fait, les trois Mexicains, tu les arraches, on n'en parle plus, quoi. Tu passes en mode pyromane. Ouais, j'ai une question. Ça. C'est juste pour savoir. Les gens qui ont installé les caméras, ils ont fait quoi des caméras qui manquent entre la 14e et la 49e? Non mais comme si on connaissait les numéros des cams quoi. Non mais ce que je veux dire c'est que les gens qui ont posé des caméras, ils se sont pas dit qu'ils devaient commencer à 1, 2, 3. Guard, careful. C'est plutôt que de commencer à 14. Ouais mais c'est tellement mainstream si tu veux. Non mais l'autre il cherche des trucs comme ça alors qu'on est dans le PD. Mec j'ai un garde gratuit dans le coffre, je le bute ou pas? C'est notre dernier pager. Ah bah non, sûrement pas alors. Sûrement pas. Si on passe, on sera peut-être obligé de tuer un garde en rota ailleurs, on sait pas. Alors ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Ah parce qu'Alfonso on a buté deux. Ah ouais gros, attends. Ah bah ouais, t'es pro. C'était gratos. Non mais de toute façon on peut faire la chaîne de pager. Hein. Je sais pas mais là ça commence à me faire parce que je me dis qu'on a que la moitié des sacs d'argent et ça m'énerve. Bah j'en ai un sur moi. D'accord. Le pager? Wow. Toi ça te manque les caves. Moi? Merci pour le colis. Non, non, non. Le guard. Heureusement que je te l'ai marqué, putain. Guard, careful. Je t'ai dit qu'il était dans le coffre en plus. Et pourtant je tourne dans les caméras les gars. Ah mais il était dans le coffre donc il pouvait pas. Il pouvait pas tirer cap. D'ailleurs ils sont tous vides nos coffres. Il reste un sac de coke. Bah, il doit rester un sac de coke dans le 1. Ah oui, ok. J'arrive. Voilà, ça c'est clear. Oh, on peut zoomer, t'es zoomé avec les caméras, mais c'est trop bien. Bah oui. Ah, t'as combien d'heures de jeu déjà? J'en ai pas beaucoup. Hein. T'as ouvert toutes les boîtes, Fonfon, t'as ouvert toutes les boîtes ou pas? Je crois, ouais. Je crois qu'il y a nous deux, on a ouvert toutes les boîtes. Je dois avoir. Je crois qu'il y en a à l'étage. Je les connais peut-être pas tout. Ah, c'est possible. Je dois avoir qu'une. Contre, j'ai 120 heures de jeu à peu près. Comme on est bien safe au niveau de. Des entrepôts. Guard. De l'entrepôt nord, on peut peut-être passer par l'entrepôt nord, faire tout le tour pour aller au sud. Ce qu'il faudrait surtout, c'est monter à l'étage, voir s'il n'y a pas. En fait, les gars, ils sont tous dehors, les gens. Quasiment. Bah, je vais regarder. Parce que j'ai un peu le nez sur les gardes, mais je crois pas qu'il y ait. Je crois pas qu'il y ait des boîtes. Parce que le problème, c'est que c'est bien mignon tout ça, mais du coup, il est où le reste du fric? Dehors? Il y a des boîtes dehors. Non, il n'y a pas de boîtes dehors. Non, dehors, c'est des boîtes de flingues. Ah. Et entrepôt sud, je l'ai. Ah, bah non, je l'ai pas saigné. Mais non. Putain, le réflexe, j'y ai pas touché quoi. Bah, mec, on a assez de ça qu'on aurait fait les deux entrepôts, c'est possible. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, donc il y a ma sac quoi. Attends, il y a 5 sacs dans l'autre, ça veut dire. Ouais. 5 sacs. Généralement, on voulait ça. Bah, t'as au moins 2 grilles. Oh mon dieu, quelqu'un crochette la porte, je vais appeler la police. Le garde en le but ou pas? On est pas en mexicain ou pas? Ouais, bah va falloir. Je sais pas, moi j'ai fait le hazmat. Ouais, gaffe, il a rien. Y'a rien, c'est un signe. Au calme. Regardez, je m'ouvre même le petit entrepôt sur le teco. Comme ça, on a... Ah mais y'a un garde là! C'est pas celui-là que t'as oui, tué? Oui, il y a un garde entre eux. Non. Mais non, je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Mais merde, t'es sérieux? Follow me! Il va voir mon civil 200%. Non, il a fait demi-tour. Non. Putain, regarde le civil qui rentre dans le bâtiment. Le civil, il glitch dans le bâtiment. Je le bute le garde ou pas, du coup? Oh c'est là 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 là! Allez, mets une balle dans la tête. Oh, le civil qui m'a trop saoulé, quoi. We're in this enemy compound in Cambodia and my handler got eaten by a tiger. Alors, je bute. Oui, celui-là, ouais, vas-y, so, dis-moi. My handler, not the tiger. Ça, il nous fout la paix. Et puis après, on court comme des débiles au milieu de la cour pour récupérer les armes. Ouais, c'est à peu près ça. Hop, je prends une perceuse. Alors, déjà, on assure le pognon parce que j'en ai marre de recommencer cette partie-là. C'est pas faux. Ça va, heureusement que je suis là. Un sac au 5ème essai. Ah bah oui, le mec c'est caméraman, sérieux. Caméra 1, caméra 2. C'est ça. Je
Je vois des gardes, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police? Putain, mais vraiment. Non, y'a pas besoin d'être déjà là. C'est ça en fait. Un fusil d'assaut. Parce que je sais pas. Ouais, bah, commence à ramener le staff, toi. À quel moment les développeurs se sont dit que les flics campaient derrière les barrières? Watch out, guard. Et c'est une bonne idée. Parce qu'il y a peine de mort? Non mais surtout, non mais ok, d'accord, jusqu'à là, que les flics arrivent parce qu'ils surveillaient déjà l'endroit, ok, c'est probable. Mais dans ce cas-là, qui est-ce que les caméras appellent? La radio. Peut-être la femme du commissaire? C'est un signe. Non parce que, mais non, mais tu sais bien qu'elle est occupée avec Dallas. Ah, ça va être ça. Non mais, non parce que les gars... Ah mais alors c'est à cause de Dallas qu'on se fait cramer en fait, les caméras appellent personne en fait. En fait, c'est ça. Il y a pas de coup de fil qui est passé. C'est du fake. Non, parce que techniquement, c'est pas la police qui devrait être appelée, parce qu'on est dans un endroit illégal. Ouais, ça devrait être le JU. Non, c'est surtout pas la police. C'est Interpol. Ouais, aussi. Pourquoi est-ce que c'est la police américaine si on est au Mexique? Et puis en plus, c'est la police américaine. C'est même pas le. C'est le FBI ici. Non, même pas. C'est même pas le FBI. Oh là, il est où toi? C'est le département. Oh là, j'ai un poulet qui veut rentrer dans mon dep-dep. Il est rentré dans mon popo. Oh le bâtard, il traverse tout mon dep-dep popo. Dep-dep popo. Mon dep-dep popo. Putain, c'est bizarre. J'ai pas croisé 15 de nos collègues depuis presque 2 heures. C'est bizarre, toutes les portes sont ouvertes maintenant que je me balade. C'est bizarre, j'ai commencé mon service, tout était fermé, maintenant tout est ouvert. Le mec il descend devant le coffre-fort, tout est ouvert, l'armure a disparu. Bon, Gérard il exagère, il prend sa pause de 2 heures là, sérieux, c'est pas raisonnable. C'est quoi encore tous ces sacs qui traînent? Fusil d'assaut. Ouais, je comprends. Ah. En fait, on fait quoi après? On va voler l'avion? Bip bip! Non, regarde ça. Avant, faut que j'aille te chercher tes sacs d'uniforme, tout ça. T'es pour penser. On en est au 2ème, non? Ou au 3ème? Je sais pas. Et Alfonso, t'as pris. Major, 4ème. Tu prendras le dernier sac mortuaire, Alfonso. Ouais, mais je suis large, j'en ai deux. Même tu remplis tes poches, je prends un dernier sac mortuaire aussi. Ça pour faire un voyant droit sur la map. Ouais. Et 2, 1, et ça m'assure comme ça que t'en as au moins 2 sur le cul. Ça a pas été ouvert. Oula! Oh, ils sont là les derniers, ils sont là. Stop others from getting close to the drill. The noise mud sound the alarm. Ce que je vois, c'est que moi je suis là, je suis en train de vous regarder à travers les caméras. Ah bah oui, il était tellement de serein. Un exemple de sérénité, ce garçon. Il aime faire des braquages. Il ne connaît pas par contre la violence des braquages. En fait, son travail de base c'est veilleur de nuit, et quand il fait des bracos, bah, il fait veilleur de nuit. En fait, il change pas de métier, le gars. C'est juste la personne qui paye qui est différente. C'est ça. La fiche de paye n'est pas la même non plus. Bah déjà, il y en a une, il y a une fiche de paye et l'autre, il y en a pas. Prestable et puis on verra. Hein. Allez, ça prestable. Et on verra. Allez. Bah regarde, le paye 30 millions. Les trois derniers sacs de thunes. Les trois derniers sacs de bonnes grosses thunes. Interdiction de se foirer. Mais vous voyez la caméra qu'on peut prendre? Je t'ai vu tirer en l'air, Alfonso, j'ai fait quoi? J'appelle la police. La violence n'était pas prévue. C'est l'autre doit retrouver 15 douilles au même endroit par terre, mais non, tout va bien. N'oublie pas, on est dans un jeu overkill, il n'y a pas de douilles. Il n'y a que des cadavres. Par contre, vous ferez attention, il y a des mecs au milieu de la cour que je ne peux pas voir. Ah! Ah! Ouais, il y a des mecs au milieu de la cour, en fait, ils sont pas dans le rayon de portée de la caméra. Je dirais qu'il y en a environ 2, 3 que je ne peux pas voir. 3. J'en compte 3. C'est ceux près des camions. Tu fais les fusils d'assaut, parfois? Je suis en train. D'ailleurs, faudrait que tu me vires tes sacs de cadavres, parce que s'il y a un flic qui passe près, on est baisé. Ouais. Bah gros, je suis en train de ramener le dernier pognon. Non, je tiens à dire que c'est foiré. Des Mexicains, il me reste que 2 sacs. Hein. La gueule, parle pas de fail maintenant. Je parle pas de fail, je dis qu'il me reste que 2 sacs.
Look out, guard. Ah, you got to get some fuel in that dingus. Ah. Get to work. Oh, les Mexicains ne savent vraiment pas faire les sorts. On était en train de rigoler tout à l'heure. Le feu, gros. Non mais je savais, gros. Bon, on a fait quoi du coup maintenant? On pousse l'avion jusqu'aux États-Unis. De toute façon, on peut pas être cramé. Franchement, scrap. Non, sérieux, mais regarde où c'est. Franchement, quoi. S'ils ont l'info qu'on arrive en avion, ils vont regarder dans le ciel. Franchement, ultra scred. On est sur la route, tranquille. Serein. J'ai pas trouvé tous les uniformes. Faudra checker. Il y a pas un sur la table là à côté? Sur la table? Hein? Ouais. Non, c'est pas ça? Sur la table à côté des barils rouges? À côté à gauche? Barils. Là, là, à gauche. La table oh, qui est à gauche. Putain. Oh putain, c'est à gauche, regarde là. Non, à gauche. Et ton tour de cam, connard! Ah, 30 secondes, laisse-moi coacher Knaf. Y'a pas de table. De toute façon, ils sont au milieu, donc je les vois pas, les mecs. Là. À côté de ceux que j'ai marqués là? Oui, je les vois pas. Ils sont trop loin pour les caméras. Mais c'est rien là. La table là, 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 cette table là. C'est pas une table, c'est une boîte. Et non, ah, mais ah, y'a rien. Radio. Ok. L'avion a besoin de kérosène. Merci, connard, je suis en train de faire quoi? Avec Alfonso, ils sont habitués. Le gars qui est en train de tirer la citerne, c'est le grand tuyau qui se déroule par terre pour le ravitailler. Oh putain! C'est en train d'ouvrir la grande porte. Faut localiser le dernier Fuji. Et personne. La porte s'ouvre, y'a personne qui a appuyé sur le bouton, c'est normal. Ouais, scénario overkill. Bien sûr, Sina a été revu et corrigé par Michael Bay, évidemment. Look out, guard. S'assurer que quand même soit bien fait le travail. Censuré par Made in China. Ah, pas du tout. Ouais, non, sinon y'aurait rien avec pas une tache de sang, pas un meurtre. Bah, actuellement. Pas un Mexicain. Actuellement, il ne s'est rien passé, monsieur. C'est vrai. C'est ce que je nous dis, hein. Jamais on a été là. Hein. Tu feras attention, il y a un garde qui arrive vers l'hangar. Ah oui. Mais tu sais, il y a une grosse pompe qui est en train de tourner. Mais c'est une blague. Pour ravitailler la pompe. Alors, faut brancher le fuel à la cuve, mais le problème c'est qu'il faut remplir la cuve. Alors tu vois au puits de pétrole, mais non, faut actionner le puits de pétrole. Attends, et en fait faut passer à la... Je fais mon tour de cam. Tu m'entends pas cliquer peut-être? Non, t'entendais pas. Je m'en fous, t'entends cliquer, je veux voir les gars. Mais les gars, je les vois pas s'ils sont trop loin des cams. Il est dans l'entrepôt, connard. J'ai pas de cam dans l'entrepôt. Mais tu te fous de ma gueule, je les ai vus les cams. Ouais, regarde. Les cams, elles ne permettent pas de le voir, sinon il serait marqué. S'il est caché derrière un objet, ça ne marque pas. Look out, guard. Oh, bien sûr, on connaît Payday, hein. Ça marque quand même. Bah, viens prendre les cams et tu verras ce que je t'ai dit. Il faut que le visage du mec... T'es en train de péter un cap tout seul, quoi. Quoi? T'es en train de péter un cap tout seul. Peut-être parce que je clique depuis 10 minutes, hein. Look around the warehouse for a can of fuel. Bah, clique mieux. Faut faire attention, il y a nouveau le garde qui fait son tour dans l'entrepôt. Dans le hangar? Oui. Oh fuck. T'aurais pas vu un bidon d'essence avec Narfand par hasard? J'en ai un sur moi, pourquoi? T'en fous un? Guard. Bah oui, pour ravitailler la pompe en fait, c'est l'objectif. Bah écoute, j'arrive. C'est plutôt que de passer okay directement le kérosène dans l'avion, tu le verses dans la pompe, puis tu le verses dans l'avion. Ah mais c'est un gros style de vie. Et il est où, elle est où ta pompe là? Ah, je suis passé à sur côté. Sur le gros. Ça va, c'est bon, je suis passé à côté, ça va. Voilà, t'as un peu de jus. Bon, et il nous manque le dernier uniforme pour Jean-Jacques là. Pour Jean-Jacques et ses Goldman. Alphonse, il te reste combien de sacs mortuaires sur toi là? Full. Full? Ça te dit pas les deux Mexicains la vie de taf au milieu là? Non. Allez. Non. Allez. Putain, mais il est con lui. Allez! J'ai qu'un sac moi. Enfin, j'ai plus de sac en fait. Allez, hein, c'est bien joué, mon fonfon. Putain, faut aller rechercher un bidon de fuel. Ouais, je sais pas où ils sont. Alors, je crois que j'en avais vu. Hein. Alors, le souvenir est loin. Attendez, s'il vous plaît. Je passe sur les cams plus lentement pour regarder si j'en vois pas. J'en ai vu un. Alors, j'ai pas trouvé d'essence. T'as trouvé un j'ai trouvé un... mieux. Mais j'ai trouvé une petite mare de pétrole dehors.
T'inquiète, on va aller poser un petit puits, on va construire une raffinerie. T'inquiète, on va se mettre bien, on va le ravitailler correctement, la vie. On va se mettre bien, mon poteau. Non mais en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est on est en train de trouver une mare de pétrole par terre, de poser l'extracteuse dessus. Et... Tu l'as ? Non, parfait. Oh non ! Putain, Alphonse, faut regarder autour de soi. Hein. Et dis pas Alphonse, que c'est de la politique. Il aime bien tendre son boulot, Jean, en fait, j'ai noté. En vrai. Ah ouais, Fonfon, il y a un petit. Il y a des petits moves de boule en arrière là. Tu crois que je te vois pas là, comme ça ? Quand même, hein. Ah bah tiens, il était là, le fioul à la con que j'avais vu. S'il te faut un dernier carburant, j'en ai un. Gros, j'allais foncer dans la porte. Je rush-biche. Ils ont jamais rien vu. Ils ont jamais douté. Putain, c'est illégal, ils vont les deux venir vers moi. Par contre, on a quand même toujours pas le dernier sac pour Antonin, le dernier uniforme. Vous êtes sûr que vous avez fait tout le tour du bâtiment ou vous êtes un peu nul? Attends, bah, je regarde chez moi, c'est ton qu'à faire, mais quoi que... Non, tu restes au cam, toi. Ils ont pas dit que l'autre, non, tu restes au cam. Tu deviens un homme caméra. J'ai mal au pied. J'ai mal à mon doigt, je m'en bats les couilles, t'es une caméra. Change de doigt dans la 10. Change de doigt, t'en as encore 9, connard. Utilise ses doigts de pied. J'en ai plus que 8, monsieur. S'en fout, c'est suffisant. Là, vous avez tué un mec qui était devait être d'ailleurs le mec des cams, d'ailleurs. Aviso, no podemos tener demasiados guardas por culpa de cambios en la reorganización órdenes arriba. Ou arriba, je sais pas. Arriba. Si, arriba, arriba. Tiens, hop là, le petit uniforme. Yes. T'as dû avoir un succès, non? Ouais, usurpation d'identité. Allez. Ça me fait plaisir, mes poulets. On fera un petit suicide par la fenêtre, voilà. On est censé braquer les murkis, mais on n'a pas vu un seul murki. Oui, c'est ça. Ouais. Guard. En même temps, t'es bien content parce que les murkis, justement, c'est eux qui passent par la... Non, non, monsieur, vous avez rien vu. Non, attendez, vous avez rien vu tout le long, vous savez pas faire genre. Hein, il te faut un body buy. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs, il me reste 0, hein. J'ai bien précisé, il me reste genre 0. Les gars, faut débrancher le Toyo. Ta gueule. Alphonse, Toyo. Alphonse, le Toyo, c'est toi le pompiste. Voilà. Maintenant il faut rouler le Toyo. Alphonse range le Toyo vers un coup de balai. Les mecs sont vraiment en promenade. Il faut ouvrir le portail de la piste. Sérieux, j'en viens. J'y vais, j'y vais. Antonin, les cams. Il y a un garde qui est pas marqué. Mais je tourne sur les cams. Il va tuer le mec. Mais vraiment, je vais finir par prendre la caméra, le poste de caméra et te l'emmener pour montrer que je tourne avec. Ouais, c'est en train de s'ouvrir. Hein. Je peux pas, je suis puni, je dois rester au cam. Ah, t'as une permission exceptionnelle. Ouais, ok, j'ai rien. T'as vu, c'est bon, on a le droit de gagner le jeu vidéo là. Ouais. Cool. Eh, n'empêche, ça aurait pas été. Eh, regarde le. La valeur des sacs, ça aurait été quoi et plus rapide de faire 10 sacs de bêtes. Ouais, je crois, ouais. Ah, y'a du carburant là, regardez. Où je tiens. Ah non, 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 pas le bidon rouge. C'est pas le bon. Allez, taxe à l'exportation, tout ça, tous les succès qui vont bien. Muerte subita. Muerte subita, tout ce qui va bien. Pot de Satan. Oh, incroyable. First try, hein. J'ai bien l'impression. Ouais, first try. On est tous d'accord. En vrai, Antonin, il a de la chance, il en aura pas fait beaucoup, le con. Ouais. Nous, ça fait 2 ou 3 soirs qu'on est dessus. Voilà, je pense qu'on a même eu son coffre, c'est beau. Ah, j'ai bien fait arrêter mon coffre. Mais c'est parce que je suis le meilleur caméraman du monde, en fait, c'est pour ça. Bon, bah, des bisous, YouTube. Hein. À la prochaine. Salut pour le prochain YouTube, contrat. À la prochaine. Hein. Ciao.